T'as besoin de quelque chose? Du soleil. Du soleil. Donc, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage sur le trail de la Sainte-Baume. Beaucoup de nouveautés dans cette 16e édition et je laisse la parole à Grégory Camerlot pour vous les présenter. Alors les nouveautés de ce trail de la Sainte-Baume 2024, c'est principalement du coup la course, la Sky Baume le samedi après-midi qui commence à 14h et qui va permettre d'avaler du dénivelé sur un minimum de distance. Donc il y aura un petit point de contrôle pour visualiser un peu le temps que les coureurs auront mis et coureuses à la montée ainsi qu'à la descente. Et ensuite, cette course est cumulable avec la boucle cugeoise du dimanche. Donc, je rappelle les quatre courses du dimanche. Donc on a la Grande Baume départ à 8h où le parcours est principalement inversé avec une nouvelle version des crêtes. Et ensuite la boucle cugeoise donc, qui elle est cumulable avec la Sky Baume de la veille où là c'est pareil, parcours inversé avec un petit challenge en plus avec la Grande Baume et que vous découvrirez sur le parcours. Et ensuite la Manon des Sources qui départ elle à 10h, classique parcours inversé par rapport à celui de l'année dernière. Et le parcours enfant, voilà, je vous ai parlé de la quatrième course, donc c'est le Trail des Minots qui débute à 10h30, une petite boucle d'1,6 qui mettra en honneur nos jeunes futurs prodiges. Les axes d'amélioration sur cette édition, c'est de mettre au cœur la qualité des ravitaux et l'aspect développement durable, où on a mis énormément de choses en place, notamment la suppression de tous nos contenants plastiques jetables dans l'immédiat, donc bouteilles de coca, eau pétillante, eau, etc., remplacées par des jerrycans, où on les substitue par du sirop, de l'eau gazéifiée par nos soins via des soda stream, etc. Des tris qu'il y aura sur les ravitaux, du compost aussi, où on s'est engagé sur cette partie-là. Ce qui permet de faire une transition sur les actions qu'on a fait au sein du TCP, donc le don du sang qui a eu lieu fin janvier. J'encourage tous les clubs d'ailleurs à le faire parce que c'est une action solidaire et on en a besoin. La collecte alimentaire via les Restos du Cœur, où nos bénévoles jouent le jeu, le club du TCP joue le jeu et on encourage aussi les coureurs et les coureuses à le faire. Et la recyclerie qui va permettre de recycler l'ensemble de matériel usagé, équipement, pas forcément que à faire de trail, mais tout ce qui est sportif. Donc on tient à remercier tous nos partenaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera fait le jour J, il y a eu des coms avant, des coms qui seront faites après, mais sans eux ça n'aurait pas pu se faire, voilà. Sans les bénévoles non plus, donc je tiens à les remercier parce que ils sont super importants hein, sur une course. Je souhaite à tous les coureurs de prendre du plaisir, même si le temps sera peut-être mitigé le dimanche pour une partie de la course, pour les moins rapides, mais prenez du plaisir, la vue et les massifs en vaut le détour. Ce reportage sera réalisé en totale immersion sur les 2 jours et ça commence dès aujourd'hui avec le parcours de la Sky Baume. C'est parti! Alors Robin, tu t'engages sur ce nouveau parcours, la Sky Baume, et demain tu reviens pour la boucle cugeoise, 30 km. En résumé, tu viens pour t'échauffer aujourd'hui. Ouais, pour m'échauffer, je sais pas, j'ai un petit peu peur pour demain parce qu'aujourd'hui ça risque d'aller vraiment vite et être intense. Donc demain après je ferai au mieux quoi. Alors quand t'enchaînes 2 courses comme ça, c'est quoi la stratégie pour aujourd'hui justement? La stratégie c'est de me faire plaisir aujourd'hui, de faire le plus vite possible et puis demain je ferai ce que je peux. D'accord, demain plus tranquille. Demain sûrement un peu plus tranquille, pas trop par choix, plutôt par obligation on va dire. Ouais, bonne course à toi. Merci. Et puis on se voit sur le parcours. Parfait. Bon voilà, le beau plateau à suivre. Que le meilleur l'emporte ou ne l'emporte pas. Il y aura peut-être un outsider dans les 16 coureurs pour eux. J'espère que vous prendrez du plaisir. La Sky Baume est un nouveau format de course typé kilomètre vertical qui consiste à effectuer une montée sèche sur une courte distance et qui vous permettra de rejoindre la crête de la Sainte-Baume en un peu moins de 7 km et surtout avec près de 900 mètres de dénivelé positif et des pentes à plus de 30%. Tu vas réviser aussi.
Allez, on lâche rien. Merci. Jusqu'au bout. Je m'approche petit à petit de la crête de la Sainte-Baume et on va voir qui est en tête de cette course. Allez, bravo. Allez, 350 mètres du sommet. Gianluca Giano, suivi de Gianmarco Cictanz, termineront vainqueurs main dans la main en 1h13. Allez, bravo. T'as 200 Merci. Mètres des crêtes. Élie okay. Besson-Piton, quant à lui, finira troisième en 1h18. Allez Samir, c'est pas loin devant. Hein. Ça voilà. descend après, hein. ça va aller vite. Hein. Ouais, pas trop vite. Ah ben il est bien. Robin, allez. Ça va ? C'est le chrono. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Bah écoute, on est au point intermédiaire à peu près à mi-course, fin de la montée, le temps est beau, on est bien. Première féminine derrière. Allez bravo. Allez bravo, allez Amandine. Elle est là. Elle est en pleine forme, regardez. Elle enchaîne demain sur la Mano des Sources, il me semble. Allez super, bravo Amandine. Et je n'arrive même pas à la suivre. Chez les filles, Amandine Ferrato terminera seconde en 1h28. Elle se fera doubler dans la descente par Réa Iseli qui terminera première en 1h25. Bonjour. Salut. Salut. Ça descend à 200 mètres sur la droite. Allez, super, bravo. Jennifer Lemoine terminera 3e féminine en 1h33. Oh Pascal, comment il va? L'ancien organisateur du trail de la Sainte-Baume, il est là. On va voir comment il descend, tiens. Est-ce qu'il est bon? Ah oui, il est bon, hein. Tu vas porter le noir, toi. Au croisement. Donc là, les coureurs montaient par là. Voilà. Et là, ils feront une boucle. Voilà. Donc, et ils en reviennent par là. Il y a eu quelques croisements un peu litigieux, mais ça va, tout s'est bien passé. Allez. Allez, bravo. Et maintenant, direction Cuges. Virage. Bon, sympa. Bonne descente. Allez. Allez, à plus. Toi à gauche, les gars. Allez, c'est bien. Merci. Allez, 6 bornes de descente. Ah, les coureurs ici peuvent profiter d'un point d'eau qui n'était pas prévu à la base. Hein. Qui n'était pas prévu, mais ils l'ont. Ils ont l'eau, ils ont ce qu'il faut. Hein. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent ou pas parce... Pour l'instant, pas grand monde. Tu vois. Ça court bien. C'est pas très chaud, donc ça s'alimente pas trop. Allez, bravo. Allez, bravo. Allez, bonne course. Alors Christophe, dis-moi, comment tu l'as vécu cette montée? Ça va, la fin était rude, c'était dur. Les derniers 200 mètres de dénive. Mais voilà, une fois qu'on est en haut, c'est que du bonheur, que descendre. Attention le suivi, ça dérape. Plus de la descente là. Allez, super. Petit coucou. Ah, super, merci. Tu signes? Bonjour. Comment ça s'est passé la montée là? Eh bien, mieux que je pensais. C'était très bien. J'avais du mal à me retourner pour voir la vue, mais... Ah,
Alors, quel plaisir de descendre, hein. Oh, j'ai horreur de ça. Je préfère la montée. Ah ouais. Alors du coup, je suis pas un bon descendeur. Bon, j'allonge, c'est tout. Hein. Du coup, la montée, tu l'as appréciée? Oui, bah après, tu sais, les trails. Je suis un trailleur. Il y a 10 ans qu'on n'est pas fait. Voilà. Allez. À 67 ans, ça va, je suis pas trop mal. Ah bah, t'es plus que bien, même. J'ai mon fils qui est devant. Ah, tu peux le rattraper encore. Ah, mais j'ai mis la pression. Allez Pierre. Allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, super. Non mais super, belle course en tout cas. Allez, 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 jusqu'au bout, allez, allez, super. Bravo, bravo. Fin de cette première journée, je vous dis à demain pour le départ de la Grande Baume, 45 km. La réduction des déchets, donc il y aura des substituts comme du sirop et de l'eau gazéifiée par nos soins. Les rues Bali, je vous les montre, elles sont comme ceci. Allez Stéphane. Putain, le petit athlète là, les épaules. Allez bravo. Allez les gars. Allez bravo Miss. Bravo bravo. Allez. Merci. Allez l'impératrice. Allez. Bravo.
Super, tête de course. Et Sébastien. Sébastien Speller terminera second en 4h25. Thibaut Garivier finira premier en 4h06. Tom Gentil bouclera les 45 km à la troisième place en 4h31. Attention, attention, celle-là. Kilomètre 8, avant d'entamer la descente, je vous propose de revivre le départ de la boucle cugeoise. C'est énorme ce qui se passe aujourd'hui, ici, Esther, Bérénice aussi, aux côtés de... Mets-toi au milieu. La. Aujourd'hui, c'est la compétition, à chaque trailer, ses ambitions. Concernant la boucle cugeoise, Hugo Deck terminera premier en 2h16. Pierre Galbourdin terminera second en 2h17. Mathieu Delpech terminera troisième en 2h20. Chez les femmes, Esther Eustache terminera première en 3h04. Bérénice Gauthier terminera seconde en 3h12. Séverine Kiefer terminera troisième en 3h30. Retour sur le parcours de la Grande Baume, c'est parti. C'est vrai que quand c'est à l'envers. Merci. Et Pascal. Salut mon ami. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça le fait, merci. Allez, première pomme. Elle est là. Allez, super. Bravo. Chez les femmes, Charlotte Klein terminera première en 5h50. Jenny Haussmann, seconde en 5h58. Yeah! Ça va? Ça va. Allez, la première est pas loin. Cool. Allez, top. Salut. Et Margot de Borne terminera troisième en 6h01. Allez, Sylvaine. Merci. Elle a quitté ses sentiers réunionnais. Ça va? Ça va et toi? Oui. Allez, bon courage. Encore Superman. Tu es partout Superman. Enfin Superwoman. À la tête de course du 30 de la boucle cugeoise. Bravo. Allez, bravo. Bravo. Allez, bravo! Oh. Ouais, ça va? Et toi? Ouais, c'était dur tout à l'heure. C'était pas très bien. Et là, ça a commencé à être bien. Je suis tombée comme une merde. Ça a défi. Tombé? Ouais. Ah mince. D'accord. Et sinon, ça va? Bon, je te fais pas trop parler. Hein? Ça va, t'es bien? Ça va là. T'as un bon rythme là? On va voir. Ils sont partis fort devant. Ouais. Tranquille, la course, elle est longue. Oui. Mais on retrouve Robin.
Allez, courage. Allez, bravo. Merci. Coucou la mienne. Hey, coucou. Coucou ordinaire, ils sont là. Bonjour. Allez, courage. Bonjour. Allez, bravo. Merci. T'arrives même à faire du tourisme. Je verrai à la fin ce que ça donne. Bravo. Merci. C'est parti. Alors Mathieu, est-ce que c'est la première fois que tu es bénévole sur ce... Non, c'est déjà de nombreuses fois. Plusieurs courses. Et pourquoi le ravito? Parce qu'ils coupent bien les bananes. Ouais, on coupe bien les bananes et puis c'est le moment d'échanger avec, avec les coureurs. Ah super. Voilà, pouvoir prendre du plaisir avec eux et partager ce moment. On plate les casseuses. Hein. Plate, c'est plat. Et voici la tête de course qui arrive à proximité du col de Bertagne. On n'est pas arrivé, hein. On n'est pas sur la course. Mais... Alors là, il faut que je mette mon frontal. On ne voit pas trop. Il fait tout noir. Comment tu vas? Ça va? T'es cuite? Comme d'habitude. Ça va être de la crête et de la descente là, c'est sympa. Profite bien. Bon courage. Bravo, bon courage à vous. Bon courage. Au col de Bertagne, nous croisons les coureurs qui ont terminé leur boucle de 6 km qui passe par la commune de Plandops. Et pour nous, elle commence. Alors ça devient pas trop dur. Ça coûte un peu. Sous la pluie, mais ça va, hein. Pas grave, vous faites avec. Ça rafraîchit. Voilà. Thank you.
Alors Idir, tu fais la boucle cugeoise des 30 km. Oui. Comment tu trouves cette course? Bien, difficile. C'est la première fois que tu l'as fait? Ouais, c'est la première fois. Bon, alors tu n'as pas vu les changements? Non. Effectivement. Mais c'est une bonne course pour l'instant, ça. C'est joli? Ouais. Oh, on n'a pas le temps, c'est dommage. Mais bon. Oui. Mais on est bien. Bonne expérience. Et puis là, un petit peu de pluie, un petit peu de brouillard, ça rajoute un peu de mystère. Ouais, ce sera l'aventure demain quand je vais la raconter. Eh oui. Ça mettra du piment. C'était incroyable, il pleuvait. Ouais. Bien. Oh. Ok, d'accord. Allez. Dis-moi, tu l'as fait exprès pour la caméra? Oh putain. Allez, courage. Merci. Le pic de Bertagne se mérite. Les coureurs devront s'attaquer à une montée raide de 150 mètres de dénivelé positif sur une distance de 500 mètres. Bon courage. À toi également. Merci. Ah ouais, ouais. Là. Je suis au pic de Bertagne, la météo a bien changé. Je vous propose une petite pause pour revivre une partie du parcours de la Manon des Sources. C'est parti. Bienvenue sur le trail de la Sainte-Baume, la Grande Baume, la Sky-Baume, la Cugeoise, la Manon des Sources. Chacun profitera de sa course, la Grande Baume, tracé magnifique, la Cugeoise, sauvage et technique. Allez mec. Allez, bravo. Sur la Manon des Sources, Antoine Luigi terminera premier en 1h15, Romain Malater terminera second en 1h19 et 4 centièmes, suivi de très près par Ronan Thomas en 1h19 et 57 centièmes. Allez, bravo! Chez les femmes, Amandine Ferrato terminera première en 1h21, Mathilde Jamet terminera seconde en 1h29 minutes et 43 centièmes, Alexia Serpentier terminera 3e en 1h29 et 50 centièmes. Allez, attention, ça tourne, ça tourne ici. Allez, bravo. Allez. Ouais, merci. Allez, bravo! Allez, les bénévoles! Allez, c'est parti! Bravo les bénévoles! Ah, ben ouais, on est là pour vous! Pas hein. Mal là, c'est bien! Ah, allez, c'est fait, c'est fait! Allez, on continue! Et local de l'étape! Merci! On peut remplir des gourdes si vous voulez! Bonjour Hortense, c'est ta première sur la trail de la Sainte-Baume? Ouais, exactement, et c'est mon premier trail en plus. D'accord. De ma vie. T'es de la région? Ah oui, d'accord. Bon, bien. T'es de la région? Ouais, j'habite à Marseille. D'accord. Alors tes sensations sur le parcours? Bah, c'est un truc de fou, tu braves les conditions météorologiques. Sûr qu'aujourd'hui c'est pas l'idéal. Hein. Mais au moins je me sens plus fort quoi. D'accord. Bon. Super, merci beaucoup, bonne continuation. Merci. Retour au pic de Bertagne où les coureurs du 45 km et du 30 km rejoignent eux aussi leur ravitaillement. Courage! Allez, bravo! Allez, courage! C'est bon, bravo pour la solidarité!
Après le ravitaillement, les coureurs du 45 km remontent à nouveau sur la crête pour entamer une nouvelle boucle. Allez, suivons-les. Ah, tout va bien. Oh, les crampes sont pas loin, mais... Quelque chose? Soleil. Du soleil. Non, à la, sur la route, vous mettez à la route. C'est pour moi. C'est dur là. Allez, accroche-toi. Allez, merci Abdi. Merci. Allez. Ça va mieux le genou? Ouais, ça va. Ouais. Nickel, merci. Dans 20 mètres, tu es au col, je serai à droite. Allez, bravo, bravo. Allez, courage. Allez, gaz, gaz, c'est bien, bon allez. Courage. Encore descendre, hein. C'est où la descente là? C'est pas à côté, c'est où? Ça va parce que dur dur, bah, à 2 décembre, je sais pas où c'est, je vois pas clair. Ouais. Là, c'est dur de voir les balises avec l'après-main. Là, c'est l'enfer. Et les coureurs retrouvent la même descente que la Skybomb. Si. Allez, 900 mètres, allez. Ah ouais, là, d'un coup d'un seul. Allez, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé. C'est le mental, allez. Allez, tiens. Pascal Martin, on vous a reconduit. Il avait remporté ici en 2020. Voilà, deuxième aujourd'hui. Il y avait eu un mano à mano. Mano à mano avec Thibaut Garrivier jusqu'au deuxième ravitaillement. Et ici, il avait remporté l'épreuve ici en 2020. Sébastien, il y a des jours, c'est pas grave, tu le sais, tu es un champion de très haut niveau. Et il y a des jours avec, il y a des jours sans, et il y a des jours, et ben voilà, c'est comme ça, c'est la course. Ouais, c'est comme ça, c'est. Je me rappelle plus que c'était tellement technique et puis. Il m'est arrivé une toute première en 12 ans de trail et j'ai failli me retrouver en hypothermie là, au sommet en haut. Alors voilà, vive le matériel obligatoire puisque j'ai fini avec mon coup de vent et puis
ma couverture de survie qui m'a clairement sauvé parce que j'étais franchement très très limite de... Waouh. Enfin voilà quoi. C'était un parcours fantastique. On est passé de la lumière à la pluie, dans des paysages sublimes, une organisation au top. Que du plaisir. Michel Blanc, il était en tournage il y a quelques jours, mesdames et messieurs, Michel Blanc, qui est là avec nous. Michel Blanc qui termine avec les ovations du public, accompagné par les caméras de Marseille Provence Productions. Oui, ça fait du bien. Ah, c'est dingue. Après la course comme ça. Non, mais je vais courir uniquement pour ça, quoi. Fin de ce reportage. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.